Taxi est en grande forme et pour la première fois depuis le début de sa tournée, exclusivité RTL9, il a répondu aux questions d'une télévision et c'est RTL9 qui l'a choisi. Bercy Amnéville, on n'y voyait que du feu. Même si l'ambiance n'était pas aussi chaude, hier soir le public lorrain n'a pas failli à la règle, il est toujours aussi fidèle. Je suis plus dur que tu ne crois. Je n'ai pas à me plaindre parce que chaque fois que je suis passé dans la région, j'ai toujours un public fort, un public formidable. Et bien moi je suis là pour me donner du plaisir et par l'occasion, on lui m'en donne. C'est grandiose, Johnny, c'est vraiment, c'est l'apothéose. Moi, je suis fan, mais pas hystérique, quoi, je veux dire. Je suis lucide, quoi, bon, ça pourrait être mon père, quand même. Je l'imaginais pas comme ça. Il est encore bien, pour son âge. Hein. Puis ses yeux, aussi. Puis il est pas mal, comme mec. J'en ai déjà vu une demi-douzaine, mais le concert de ce soir, il est nul. C'est trop fort et c'est nul. Comment vous le trouvez sur scène? Comment vous le trouvez sur scène? Vu son âge, il a du punch, hein. Super, comme d'habitude. Génial. Et c'est mon dieu, c'est Johnny. C'est une bête. C'est quelqu'un qui a une force intérieure énorme. Une bête de scène qui a su traverser les générations, capable encore d'attirer à lui la foule. D'ailleurs, on se prend à rêver. Et si Johnny inaugurait le grand stade de la prochaine Coupe du Monde? Ça me tente bien. Oui, oui, ça j'aimerais bien. Mais maintenant que j'ai fait le Parc des Princes, oui, j'aimerais bien. On verra bien. J'espère que ce sera fini. Hier soir, Johnny a encore une fois arraché le cœur des Lorrains. Certains ont fait le serment, ils suivront leur idole dans sa tournée aux États-Unis en 96.